Bonsoir à tous et bonjour à ceux qui sont en France, parce qu'il doit être à peu près 10 heures chez vous si la synchronisation s'est faite correctement. Ah, je monte au-dessus du bandeau pour que vous puissiez voir. Le siège était trop bas. Hein, bon. Alors, exceptionnellement, on ne tourne pas depuis l'Eurotech Week, ah. mais on tourne depuis euh, une baie vitrée devant, derrière nous, où on a tout Las Vegas éclairé. La vue est magnifique et c'est tout simplement une chambre d'hôtel du Flamingo. Vous savez, l'hôtel avec les petits flamants roses. C'est bien, c'est super. Bon, dans cette vidéo, c'est sur YouTube. Vous oubliez pas de vous abonner. Et je vais tout de suite passer la parole à Mathieu parce qu'il est très tard maintenant ici. Hein. Il oui. est près de minuit ou presque minuit et demi. Eh bien, je vais lui demander de nous parler des nouvelles du jour parce que les jours, le jour se suit, mais ne se ressemblent pas. Alors, ils se ressemblent en termes de, de sommeil, c'est-à-dire qu'il n'y en a toujours pas. Ça, par contre, c'est une c'est une constante. C'est vrai qu'on a été habitué à la pluie hein, ces derniers jours. La pluie présente sur le CIS énormément, ce qui a obligé le niveau 1 du Sands à tout simplement fermer sur la première euh, demi-journée où Google n'a pas pu euh, en partie être présent parce qu'une partie du stand était inondée, mais je crois que la poste était aussi dans le même cas. Et puis euh, naturellement, comme euh, la pluie disparaît, le soleil arrive aujourd'hui, on avait du soleil, mais on n'avait plus d'électricité. Donc ce qui fait qu'il y a une partie du CES qui a été totalement euh, fermée euh, et évacuée, puisque le central hall du Convention Center a tout simplement été euh, en blackout pendant euh, quasiment 4 à 5 heures. Ce qui a réparti l'ensemble du flux euh, des personnes bah, sur d'autres halls et ça a été véritablement une marée humaine. C'était très proche. On avait voilà, il faisait très chaud. Voilà ce que l'on peut retenir euh, de cette journée. Si on ne parle pas des innovations dont on va vous parler dans un instant, puisque le sujet finalement de, de cette vidéo, c'est d'aborder quoi C'est d'aborder cette notion des smart cities, des smart homes et principalement dans cette logique des transports. Dans la logique des transports, puisque la Smart City, cette année, était mise à l'honneur par le CIS grâce à un pavillon qui lui avait été complètement dédié, dont vous voyez quelques images actuellement à l'écran. Euh, ce pavillon, alors bon, on peut dire qu'il a été sans grande ébullition, sans grande effervescence, parce que l'effervescence que l'on vit euh, sur euh, le RECA Park, par exemple, où se trouvent toutes les startups, euh, là, on ne le retrouve pas, on est beaucoup plus sage, on est avec des sociétés plus importantes qui viennent. Euh, proposer des services dans de l'infrastructure, dans quelque chose qui est assez lourd, quelque chose qui se projette généralement à long terme. Et finalement, on va nous opter pour vous parler plutôt de la mobilité au cœur de la Smart City, pour pouvoir vous faire un petit peu rêver. Parce que finalement, la Smart City, c'est de la sécurité, c'est de l'air pur, mais c'est aussi de la mobilité douce. Et puis, pour commencer en mobilité, un petit appareil nouveau, mais d'une marque que l'on connaît bien, qui s'appelle Sigway que Mathieu va s'empresser de nous décrire dans ses fonctionnalités. Merci, cher Lionel. Et donc nous allons euh, tout simplement passer sur ce, sur ce premier, euh, premier, premier objet assez intéressant. Euh, ce projet, ce, ce, attendez, hop, tac, on repasse en live. Voilà, euh, cette mini cigoue. Alors c'est pas le premier premier qui est sorti un peu comme ça, puisque sur ces deux derniers CS, il y avait déjà des premières euh, ces premiers objets qui étaient déjà présentés. Ce, ce mini sigo vous le chaussez et vous pouvez directement ensuite vous balader avec. Alors son vrai plus, c'est aujourd'hui, c'est qu'il intègre une intelligence, une presque une robot robotisation c'est presque un, 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 un compagnon et euh, ce petit robot va tout simplement être en mesure eh bien, de se balader, de vous suivre. Je pouvais vous montrer une petite vidéo puis je reviens tout de suite après. Donc, comme vous le voyez effectivement, alors ce robot avait une espèce de, de petite, euh, presque un petit visage hein, sous forme d'écran, et vous pouvez lui demander ensuite bah, de vous suivre. Vous pouvez lui demander de surveiller un endroit. Vous pouvez lui demander euh, plein de tâches que vous pouvez lui paramétrer et qu'il va réaliser, euh, bien entendu, avec le plus simple des bonheur comme c'est un robot en plus il ne se plaindra pas c'est génial alors il y a quelques petites erreurs de fonctionnement parce que notamment la personne qui l'essayait et qui faisait la démonstration avait quelques soucis sur la reco faciale mais en tout cas bon globalement ça marche alors on parlera pas des Mars hein, comme on en a parlé la dernière fois qui était un peu déceptif là je pense qu'il y a encore un peu de travail sur la notion d'usage mais très intéressant en termes de mobilité comme on connaît euh, le plaisir tous d'être sur des segways Deuxième peut-être projet, je crois qu'on avait vu. Ah oui, c'est vrai. Il me rappelle la valise connectée, puisque sur ce stand il y avait aussi la valise euh, connectée. Alors qui vous suit, hein, donc c'est-à-dire vous n'avez même plus besoin de la tirer. Euh, vous vous rappelez peut-être celle de l'année dernière. Ils sont aussi présents cette année. Euh, de ceux qui ont sur la valise, ça fait comme une petite, euh, un, un mini vélo. Puis la valise avance tout ça, c'est une mini moto qu'on peut avoir en aéroport. C'est très, enfin, super sympa. Et globalement, bah, vous avez euh, à peu près la même chose, sauf que cette fois on ne s'assoit pas dessus et cette valise tout simplement peut vous suivre sans même que vous vous ayez à la tirer, donc à voir. En tout cas, il euh, y a eu un petit bad buzz en début de CIS, euh, puisque durant une démo euh, hasardeusement filmée par quelqu'un d'autre, la valise s'est barrée. Voilà, donc euh, globalement, voilà. en tout cas, assez intéressant. Je crois aussi que tu voulais nous parler d'un produit qui t'a tapé dans l'œil. Alors, ce produit qui m'a tapé dans l'œil, c'est euh, on, on est donc, depuis le début Produit de, de, de mobilité qui est relativement petit. Là, on passe à un produit de mobilité un tout petit peu plus gros qui s'appelle le Ujet. Alors, le UJet c'est tout simplement un scooter qui est un scooter qui va être transportable. Vous allez pouvoir retirer la selle avec ses roulettes et puis la tirer comme une valise, replier l'autre partie du scooter et la tirer également comme une valise. Donc vous avez comme deux valises à roulettes, l'une dans chaque main, et vous allez pouvoir tout simplement transporter le scooter. Alors bon, ça c'est on va dire, oh, ils ont fait un scooter pliable, c'est pas mal. Bon, alors évidemment, le scooter, il est électrique, il est entièrement piloté par... Un petit ordinateur qui est à l'intérieur qui vous permet d'avoir vos cartes pour vous orienter. Alors avec la Google Map ou avec le service de cartographie que vous souhaitez. Une petite démo en vidéo, ça va être sympa. Hein, je crois que c'est toi qui me lances ça. UJet presents the most technologically advanced and stylish vehicle, especially created for urban lifestyles, the UJet Smart Scooter. It starts with your most individual item, your smartphone, which serves as ignition key. Anti-Theft and Tracking Systems. The intuitive interface provides unparalleled connectivity with Wi-Fi, speakers, HD camera, GPS, and full access to your contacts, social media, and the web. Optically, the UJet expresses the future with its disruption. Donc, comme vous avez pu le voir sur ce film de démonstration, le, <laughs> le produit est relativement petit et je pense que certains, peut-être, auront, auront l'audace de l'amener jusqu'à leur bureau. Et bon, s'ils ont un grand bureau, bah voilà, ils pourront mettre leur scooter directement à côté de leur bureau. Ça leur évitera de payer le parking et euh, au moins... Peut-être vont-ils payer le prix de l'investissement matériel qui est de... Ah oui, alors le prix, il est, il est très doux aussi, hein, aux alentours, parce que c'est pas encore commercialisé, il est aux alentours de 12 000 euros, euh, 12 000 dollars, 12 000, bon, ça ferait 10-11 000 euros, mais pour l'instant c'est pas sûr, hein, ça pourrait être encore un petit peu, un petit peu, peu plus cher. cher. En tout cas, euh, le produit est très sympa, il, il semblait extrêmement euh, bien fini. On va monter un petit peu euh, et on va changer de type de véhicule, là pour un véhicule qui est un peu plus fun, mais toujours en électricité, c'est quoi c'est l'Ampère, vous l'avez euh, sous les yeux à l'instant. Une euh, voiture donc, à trois roues qui est assez euh, intéressante et qui euh, justement est particulièrement euh, économe, puisqu'elle est électrique déjà à commencer avec une autonomie d'environ 100 km et son prix qui est de 9999. On est en dessous donc des 10 000 dollars annoncés et on vous laisse cette petite vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de vous même du côté assez sympathique presque toy de cette euh, tout simplement voiture qui ressemble un peu à James Bond. Voilà donc j'espère que vous aurez une petite idée de cette euh, voiture qui est véritablement qui ressemble véritablement à un jouet donc on a vraiment envie de la piloter comme telle. Alors après avec toutes les incidences que cela peut avoir naturellement de toute façon avec les bouchons dans le ville. On... On n'ira pas bien vite. Voilà, là, on aura une, formule, on aura une voiture avec un, un petit format. Pour ceux qui sont des fans de voitures, vous savez, il y a toujours euh, l'entreprise le, anglaise, hein, Morgan, hein, qui fait sa tri-wheel. Et voilà, là, on a une tri-wheel moderne, électrique, un peu petite. Et souvent, d'ailleurs, quand vous êtes au volant d'une tri-wheel, vous, vous êtes l'obligation de sortir hein, les, les coudes de la portière tellement la voiture est étroite. Et bien, c'est exactement l'impression qu'on a eue quand on a vu cette voiture sur ce stand. En tout cas, voilà, un objet de mobilité. Alors, celui-ci, il est un peu fun. On va rentrer dans des objets de mobilité qui sont, eux, à la fois, un, existant et deux en évolution constante avec des marques qui sont nettement plus euh, importantes sur le marché de l'automobile, c'est sur l'alliance Renault Nissan, on vous en a déjà parlé on était présent sur le stand Nissan évidemment de nombreux véhicules électriques et par définition la première qui est celle qui n'est pas un prototype mais qui est déjà commercialisée et que dans sa version 2018 sera entièrement électrique avec une grande part d'autonomie c'est la Nissan Leaf. Celle que vous allez voir à l'écran c'est simplement un prototype qui devrait aller encore plus loin dans l'autonomie puisque on a pratiquement une disparition du volant vous remarquerez qu'il n'y a même pas de rétroviseur puisque les rétroviseurs sont Finalement, des écrans qui se trouvent dans le flanc des portes à l'intérieur de la voiture. On n'a pas de vue de cet intérieur puisqu'on n'a pas eu le temps d'en prendre entièrement. Mais c'est vrai que le stand était magnifique et montrait vraiment une force qu'avait euh, la marque Nissan d'avancer Et ça, c'est la Nissan euh, Leaf 2018, celle que vous avez vue. C'est un prototype. Et là, on, on change de catégorie hein, puisqu'on est autour de 30 000 euros. Mais je crois qu'on vous en avait parlé puisque c'était un dans les Best Innovation Awards de ce CES 2018. Euh, là, on va continuer dans la voiture électrique. Donc, vous voyez, on, on monte un petit peu en termes de, terme de niveau d'encombrement de, 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 pour à, passer à cette petite Smart que toi, tu as euh, mitraillée parce que tu l'as trouvée euh, juste euh, délicieuse. Bah, on vous a euh, bien entendu, euh, on vous présente ça. Alors, déjà, on réinvente hein, totalement le, le capot. Enfin, euh, vous avez le, le pare-choc avant qui est en image. Hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez en termes de messages. Ça peut être euh, effectivement euh, merci, maman. Ça peut être euh, je t'aime, euh, mon enfant. Etc. On peut imaginer plein de trucs assez mais bah, En tout cas, le, le, côté, euh, le côté de smart est sympa. Alors, c'est surtout l'intérieur que, que j'ai trouvé intéressant parce qu'il n'y a tout simplement aucun volant. Vous êtes dans un environnement totalement autonome. C'est euh, presque les voitures que l'on voit dans, dans Black Mirror dans certains, dans certains épisodes. Ce qui, est, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez sexy. Et donc on va vraiment ici euh, retrouver bah, de nouveaux usages au terme de l'automobile. Et de plus en plus, ça devient un lieu de vie. En tout cas, on a trouvé cette petite Smart absolument sympathique. Et là, en même temps... Le projet qu'on va vous montrer juste derrière, on ne l'a pas vraiment vu rouler, mais je pense que tu en parleras mieux que moi. Oui, alors c'est un, un projet de, de la marque Frisker qui euh, est une voiture Alors dont la promesse est de rivaliser avec les modèles de chez Tesla. C'est une voiture donc de haut de gamme, pas de très haut de gamme, mais de haut de gamme, puisque c'est des prix avoisinant les 130 000 euros avec des promesses en termes de d'autonomie qui sont de 100, euh, que je dis pas de bêtises, converti 1, ça doit faire à peu près 650 km, hein, parce que la, la, les, voilà, les notices étaient, étaient données en miles. Euh, C'est surtout une voiture qui aujourd'hui fait le buzz dans le CIS 2018, comme la Faraday Future l'année dernière, qui était une voiture qu'on n'a jamais vue rouler, mais qui avait à peu près les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire la même promesse de détrôner Tesla de son podium de voiture électrique, on va dire, à caractère un petit peu sportif luxe etc tout du moins à caractère très racé euh, on va rajouter quand même quelque chose puisque là on est dans l'implication de la mobilité douce ou de la mobilité avec zéro émission au cœur de nos villes et au cœur évidemment de nos pays c'est où on va les recharger on a évidemment on vous a pas passé toutes les photos on a peut-être une photo peut-être dans notre petit catalogue mais ah bon d'accord bah, on a peut-être une photo mais sinon on avait on vous avait déjà parlé d'un d'un système de recharge qui était en train d'être déployé et qui était porté par une alliance de constructeurs automobiles européens plus le constructeur américain Ford qui s'appelle Unity. C'est un euh, alors c'est pas celui que vous allez avoir à l'écran si si Mathieu le retrouve, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà ça typiquement voilà le type de borne de recharge que l'on voyait sur cet environnement euh, dédié au Smart City au, aujourd'hui sur le CES 2018. Donc Unity, c'est une promesse de euh, recharge qui se ferait de à trois fois plus rapidement que les superchargeurs aujourd'hui de Tesla qui demandent 30 à 35 minutes de recharge pour votre voiture. Alors vous imaginez deux à trois fois plus rapidement, c'est-à-dire qu'on tomberait autour des 10 minutes. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on vous dit Le Sigway, évidemment, il est électrique. Euh, le Ujet, il est électrique. La nouvelle Smart, elle est électrique. La petite Ampère, elle est électrique. Et puis évidemment, la Frisker et la Nissan Leaf, elles sont électriques. Aujourd'hui, l'électricité est omniprésente dans les propositions de déplacement pour les véhicules de demain et quand on parle de demain c'est pas demain en 2040 c'est plutôt demain bah en 2018 pour la Nissan Leaf parce que ça c'est le nouveau modèle qui sera commercialisé par Renault euh, ou qui est peut-être même déjà commercialisé oui, par Renault bon. euh, mais ça sera de toute façon pour des promesses de, de, de véhicules aux alentours des années 2019 à 2022 dans une fourchette de, de 1 à 3 ans on aura ce type de véhicules qui seront euh, proposés maintenant on peut continuer aussi à se déplacer en ville mais euh, il faut trouver de l'espace parce que parfois bah, on a mis beaucoup de choses dans les rues ou alors on a mis beaucoup de vélos, on a mis beaucoup de scooters on a mis beaucoup de voitures et là un projet un peu intéressant que va nous dévoiler Mathieu parce qu'on rêve de, 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 de le prendre pour aller à un rendez-vous galant, je vous dis rendez-vous galant parce que si vous allez sur les, le site de la marque vous trouverez la vidéo qui était présentée et qui montrait un sympathique monsieur allant chercher sa femme ou sa fiancée tu vois de quoi hein allez je te laisse le dire alors 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 le rêve de, de tout à chacun aujourd'hui c'est bien entendu de, de pouvoir euh, voler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce drone, ce drone euh, maximum et ça, qui peut qu transporter deux personnes, bah, il est là. Et on l'a tout simplement l'holocoptère avec cette capacité, ce, ce, ce drone euh, maximum en termes de, de taille qui vous permet de transporter bah, des, deux êtres humains. Et euh, la vidéo telle qu'elle est présentée en termes de, de, de teaser, c'est tout simplement euh, bah, la capacité de pouvoir euh, faire décoller de manière quasi autonome un hélicoptère, de se rendre à un point A à un point B et le tout dans les airs. Et la vidéo elle a été présentée comme si c'était la ville de Dubaï si je ne me trompe pas. Oui, Donc on peut imaginer qu'il y a déjà quelques tests qui sont en cours en tout cas l'hélicoptère est véritablement impressionnant alors équipé de puces euh, Intel hein, bien entendu euh, qui a collaboré sur, sur ce projet mais c'est vraiment assez bluffant en termes d'objets parce qu'on ne l'a pas vu voler, euh, malheureusement il n'était pas en démonstration alors en même temps, il euh, y a euh, un projet qui t'a beaucoup plu, euh, et on en parle depuis ce, le début de, de ce CES, c'est cette euh, nouvelle manière d'entrevoir l'intérieur d'une voiture. Il y a une, une véritable innovation, recherche, euh, sponsorisée je crois par Deloitte, qui est vraiment présent dessus en termes d'équipement, si je ne me trompe pas. Alors... Et je te laisse le présenter parce que tu le connais beaucoup mieux <laughs> que moi. Oui, alors c'est un équipementier français. Vous connaissez dans les équipementiers français automobiles. Vous connaissez Valeo. Vous connaissez peut-être un petit peu moins Forestier, qui est oui, un est spécialiste. Valeo, voilà, euh, qui est un, un spécialiste de l'aménagement la, de, de intérieur des automobiles. Alors ça va des sièges, des tableaux de bord, etc. Euh, et là, Deloitte est en train de repenser l'intérieur de l'automobile. Alors vous le voyez sur l'écran actuellement. Hein, ils sont compatibles avec euh, Amazon, enfin Alexa d'Amazon. Et non. Deloitte. Oui, j'ai pas dit de loi, bon, C'est toi qui doit oh en fait. <laughs> C'est Valéo. Bref, euh, il, est, il, il, est temps, il, est, il est, un peu tard. Il est un peu tard. Donc finalement, tu t'étais euh, bien, bien rattrapé. Donc, euh, <laughs> <laughs> <Tu rire> Forestia se concentre sur l'intérieur des voitures et aujourd'hui travaille et nous présente des projets d'intérieur de voiture qui sont en adéquation avec l'évolution de l'autonomie des voitures, c'est-à-dire un volant que vous voyez actuellement sur l'image qui est rectangulaire qui est capable de se rétracter pour laisser apparaître simplement des des éléments de tableau de bord qui sont dédiés au divertissement, c'est-à-dire que là vous voyez quelqu'un qui est un petit peu plus allongé dans sa voiture, Les, le comment dire, le volant a complètement disparu et n'apparaissent plus que des écrans qui potentiellement lui donnent des informations sur avec son Amazon Alexa peut-être à quelle heure va-t-il arriver, quel plat va-t-il manger, est-ce qu'on peut lui réserver un restaurant à l'arrivée de son de son voyage. Bien. Toute une série de, de questions que l'on se pose qui sont aussi à partir du moment où je n'ai plus de volant, à partir du moment où je ne suis plus obligé que mon siège, puisque la voiture est complètement autonome, me mette en position que mes yeux soient parfaitement euh, à bonne hauteur pour voir toute la route, eh bien, je vais me mettre à me mettre en position reculée, euh, m'éloigner du tableau de bord, peut-être éventuellement tourner le siège. Et donc, c'est repenser complètement l'espace de vie qui se trouve à l'intérieur de la voiture. Et ça, Forestia y travaille beaucoup. C'est ce que l'on a pu voir sur leur stand qui était euh, au Convention Center. Elvis ici pour les intimes. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire sur la sur la mobilité parce que finalement euh, c'est un des éléments fondamental et presque fondateur de la Smart City parce que les équipements on l'a vu avec le stand Qualcomm, on n'a pas de photo à vous montrer parce qu'on ne peut pas tout, tout tout mettre en boîte. Euh, les, cours, les, 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 les journées sont un peu courtes et on prend beaucoup de, de, de temps avec chaque responsable de stand mais chez Qualcomm par exemple ils ont continué à développer le véhicule tout véhicule et maintenant ils développent du véhicule tout X c'est à dire tout n'importe quel euh, n'importe quel système, ça peut être des feux ça peut être un autre, un autre objet qui est un objet de circulation, ça peut être des panneaux ça peut être des, euh, des éléments de limitation de vitesse des, des, des informations qui sont données par la police pour que vous puissiez ralentir parce qu'il y a un accident etc etc en tout cas la euh, ville de demain c'est une ville entièrement connectée. D'ailleurs, de toute façon, hein, tout ce qui est connectable, dans trois ans, ça sera entièrement connecté. Dis à quelqu'un dont j'ai oublié le nom parce qu'il est, encore une fois, un peu tard. En tout cas, on avait une petite surprise à vous montrer. Et ça, on va vous la, on vous, on va la montrer. Euh, moi, j'aime bien ça, parce que ça, ça ne fait pas partie vraiment de la ville connectée. Mais je ne sais plus si on l'avait quelque part. C'était euh, notre... notre euh, ah, j'ai du mal à la prononcer ce soir. Cette... Euh, c'était cette. Euh, L'Android. Euh, L'Android. Oui. C'est pas l'Android, parce que l'Android, vous allez l'écrire a n d r o i d Mais non, c'est l'Android. L'Android. Bon, là, d'accord. En, en plus, <laughs> tu même pas la photo. C'est super. Photo. Alors, moi, j'ai. Bah, oui, 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 ou... oui. Alors, il m'a dit non, il faut absolument qu'on en parle. On a noté oui, ça bah, sur ouais. le petit papier qu'on a sous les yeux. Alors, bon, je vous, vous donne le truc. Et puis, alors, ça s'écrit L-A-U-N-D. Héroïdé. C'est-à-dire le début, c'est comme laundry, c'est-à-dire la, 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 euh, la, la machine à laver. Voilà, merci. Et, et donc vous allez mettre votre linge dans cette machine à laver. Cette machine à laver va ah, prendre oui, 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 votre linge, mieux, non, oui. reconnaître votre linge, le laver comme il se doit, le sécher, le plier, et vous ouvrez les tiroirs, vous récupérez votre t-shirt qui a été en même temps lavé, séché, plié, terminé. Bon, ça, promesse. Alors c'est c'est pas de la Smart City, c'est la Smart Home, mais bon, voilà, on voulait vous en faire un petit ah oui, cadeau. Hein, et bien voilà, on m'a dit, fais un petit cadeau, dis ça, et puis finalement, on n'a même pas <laughs> l'illustration. un <laughs> hein, Super. Euh... <laughs> bon, demain, on parle de quoi ouais, Demain, attends, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Il nous reste aussi à parler, quand même, accessoirement euh... bah, de Dell, parce que Dell a fait quand même un super spectacle hier. Et euh, on va vous montrer la petite vidéo. Et puis on bah voulait oui. vous parler aussi, mais j'arrive pas à te lire en fait. Je <laughs> suis ouais. désolé Bah oui, bah oui, non, non mais... Bon, voilà. bah je crois qu'on a tout dit... Les... <rire> <Non>. <rire> oh, Elion, voilà. Et on, non. Et on... Et on va je finir pas. à 1h du matin, on n'en peut plus. <laughs> Chronologiquement, on devait vous présenter ce qu'on vous parle demain, et justement à la fin, on voulait vous faire une surprise oui. qui était justement par Del, qui était générée par Del. Demain, on fait quoi Demain, ouais. on retourne ouais. sur le sol. <laughs> non, non. Mais ce Mais c'est pas possible. Non, parce que vous savez que ce qu'on vous dit quand même, on a écrit un peu la chronologie. Oui, on, on a, on a, de on a des papiers. Un voilà. Hein, voilà. On essayait quand même, hein, parce que justement la fatigue se faisant, on essaye <laughs> d'avoir des penses bêtes. Hein. Ça voilà. s'appelle penses -bête. pense bêtes. Les penses bêtes sont de moins en moins bien écrites au fur et à mesure. Enfin, bon. C'est bon. On passe quand même un super sillage. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. Alors on revient à nos, à nos moutons demain on est sur le Sands Expo parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs encore à revoir, on retourne sur le RECA parce qu'on a reçu beaucoup. Enfin, on a vu beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qu'on a croisé des amis et des personnes, des amis qui nous ont présenté leurs amis etc donc on va aller les voir on va aller les interviewer euh, on va on, vont nous présenter leur concept et puis on va tourner encore une fois dans cette synthèse créative que représente aujourd'hui euh, le RECA Park et qui rayonne ensuite surtout le, le CES parce qu'il y a vraiment une super énergie euh, à cet endroit on se quitte donc avec un Petit cadeau avant de se revoir dès demain matin pour notre live à 7h45 environ, heure de Vegas. Euh, donc, euh, on commencera peut-être aux environs de, de 8h à diffuser et ça vous permettra tout simplement d'avoir une petite synthèse. N'hésitez pas à vous y connecter ce sera la fin d'après-midi pour vous. Et puis sinon, on se reverra bien entendu jeudi soir pour nous. Donc, vendredi matin pour vous, si je ne me trompe pas, pour notre dernier live show le soir, cette synthèse qui sera la synthèse de ce CES. Le petit cadeau, c'est quoi C'est Dell qui a fait voler hier soir euh, 250 drones en même temps pour faire un spectacle. Alors non pas pyrotechnique, mais de lumière au-dessus des fontaines du Bellagio. On a trouvé le concept super sympa. Ce sont les images du Las Vegas Sun qu'on a, euh, qu a pris sur YouTube et qu'on partage avec vous. Et on se quitte tout de suite et bah, sur cette petite musique, sur cette petite démonstration qui est assez sympathique. On vous dit à demain. Pour nous, c'est bonne nuit. Bye bye you say saying it's hopeless that I should hopeless. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? The sea and decides. We've been meteoric even before this burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. The sea and decides, and I will still be here stargazing. I still look up.